Mercredi 19 septembre, on est ici sur la Grande Cascapédia. On est là pour trois super de belles journées de pêche. Qu'est-ce qui va être le fun en plus, c'est que je suis ici avec mon garçon Antoine, qui n'a jamais pris de saumon, avec Jean-François aussi, qui n'en a jamais pris. Puis durant ce voyage-là, on a la chance d'avoir Sylvain Gagnon, vraiment là, qui est un master au niveau de la pêche à la mouche, qui va nous donner des leçons, des trucs, qui va nous montrer comment que ça fonctionne. En plus de ça, on a Daniel Giguère, le PDG de La Voix Maltée, qui est là aussi. Fait que je pense qu'on va passer un super de beau trois jours de pêche. On est allé s'enregistrer tantôt pour nos trois journées. Elle nous a expliqué par contre que le niveau d'eau est un petit peu bas en ce moment. C'est plus difficile de trouver le saumon, mais je suis certain qu'on va y parvenir. On a tous les outils, on a les meilleurs pêcheurs avec nous autres. On a une journée avec Jason, qui est un guide exceptionnel ici. On a les meilleures fosses de la région, fait que je pense qu'on va réussir à s'en sortir. On va avoir une super de belle pêche. L'objectif, c'est de faire prendre le premier saumon à Antoine. Fait que c'est parti pour trois très belles journées de pêche ici, sur la Grande Cascapédia. Notre première belle journée de pêche ici en Gaspésie, on s'en va directement sur la Grande Cascapédia. Qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on a eu l'opportunité d'avoir une deuxième fosse où on va pouvoir pêcher. Il y a eu une cancellation, fait que tout de suite Sylvain et Daniel en ont profité pour la saisir. Fait que je pense qu'on a la température qu'il faut, même si le niveau de l'eau est bas. On va aller attraper beaucoup de saumon, vous allez voir. Es-tu prêt? Oui. Go, 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 go! On est prêt pour une belle journée de pêche? Ok, t'embarques avec moi? Oui. Parfait ça. Là, là, c'est baptisé, là. Solide, là. Fait que fais-y honneur. Parfait. On va faire honneur à ça. Ah ouais, c'est un bon pêcheur. Je suis pas capable de prendre un saumon avec ça, là, pour m'aller dehors. On va y sentir les mains. On va y sentir les Je suis vraiment enthousiaste, vraiment craqué. Jason, il me disait qu'ici, c'est une fosse qui se tient beaucoup de saumon. Il parle qu'il y en a peut-être une centaine dans le secteur, étant donné que, justement, l'eau est au même niveau plus longtemps. Il n'a pas bougé beaucoup. Puis là, on a eu un petit débit, peut-être un pouce de plus. Ça va nous donner la chance qu'on a besoin pour attraper des beaux saumons. L'erreur, la plupart du monde font, là, c'est quand ils empoignent un saumon, là, ils tiennent la ligne, puis ils les laissent pas partir. Il faut pas faire ça. Tu le retiens un petit peu là, parce que tu vas avoir du slack. Tu laisses prendre la ligne. Dès que la ligne est serrée au moulinet, tout est correct. Il n'y a pas de stress. Je te prépare mentalement. Belle journée, ennuagée. On va essayer la picasse orange en premier. Très bon homme. Oui. On y va. Sois quand même très relax quand tu restes. Ça ne prend pas de force pour lancer. C'est beaucoup plus qu'est-ce qu'on appelle ça, du timing. Il faut que tu sois patient. Et quand tu ramasses, tu viens patiemment, t'attends, tu y vas, ça déroule. OK? Ça va faire drôle au début, mais tu vas voir, tu ne serais pas capable de casser ton poignet. Si. Okay. Je vais en faire une. Je suis tellement énervé. Là. Je pense que j'ai plus de thrill et j'ai plus d'émotion que si c'est moi qui pêche directement. Voir mon garçon aujourd'hui qui est là sur le bord d'une fosse à saumon, j'espère tellement qu'il prenne le sien. Là. Il faut qu'il le capture lui-même en plus. On était venu il y a 2 ans. Il y en avait un qui avait monté sur sa ligne. Puis depuis ce jour-là, il n'arrête pas de m'en parler. Il est resté vraiment avec ça dans la tête d'aller chercher son propre saumon. Fait que la quête pour les 3 prochaines journées, c'est vraiment ça, de faire vivre cette expérience-là. Notre futur qui est en train de pêcher. Faut qu'on commence quelque part. Lui, il est dans ses débuts. On va essayer de pogner un saumon aujourd'hui. Pour qu'ils soient accrochés. Cette année, j'ai eu plusieurs de jeunes. C'est souvent des parents qui viennent. Il y a des filles, des petites filles, des petits gars à peu près son âge. Puis au fur et à des années, je les vois grandir puis vieillir. Puis ça peut faire les pêcheurs du futur. J'aime être dans la nature, là. Vraiment. Puis ici, spécialement dans le secteur que je travaille, là, c'est vraiment sauvage.
tu sais, les routes, c'est des chemins de terre, t'entends pas beaucoup de voitures, tu sais, c'est... J'aime ça. C'est relaxant, tu sais, c'est très zen. C'est bon, Antoine? Tu fais très bien ça. Je viens juste de terminer ma première drop. Quand j'étais arrivé ici en bas, il y a vraiment un saumon qui a sauté dans les airs. Ça a l'air quand même assez gros. Je dirais que c'est dur à évaluer, là, mais d'après moi, c'est pas loin d'un 20 livres. Ça m'a donné une belle adrénaline. Je vais continuer de passer des mouches dans cette fosse-là. Ça fait deux fois que ce saumon-là il saute. À un moment donné, il va sauter pour notre mouche, c'est certain. Serré comme il faut. Il est déjà 2h de l'après-midi. On n'a toujours pas de saumon pour aujourd'hui. C'est pas encore mission accomplie. On a vu par contre plusieurs sauter. Moi, je me rappelle la dernière fois qu'on est venu ici, c'est il y a 2 ans. J'étais là avec un de mes bons amis, avec Carole Guénette qui était là. Oh, faut le ramener, les gars, faut le ramener. Yes, sir. On avait commencé la journée dans une autre fosse. Il avait attrapé un petit grill. Il était tellement, mais tellement énervé. C'était tellement beau à voir. Après ça, on avait changé d'endroit. On était venu à la fosse ici. Carole avait fait la première drop. Tout de suite en décollant, il avait attrapé un super de beau saumon. Oh, que ça veut vivre, ça! Un saumon qui devait faire un 16 à 18 livres. On était cette journée-là avec Zach, qui est un autre guide ici. C'était une journée totalement incroyable. On avait eu beaucoup d'action aussi. On aimerait ça que ça se répète. On a vu beaucoup de poissons sauter plus ce matin. On reste confiant. Il reste quand même quelques heures à notre journée. En ce moment, les conditions sont un petit peu plus difficiles. Le niveau d'eau est plus bas. Fait que le poisson il est plus discret. Il est un petit peu moins présent. Et je pense que c'est un bon endroit, là, avec toute l'action qu'on a vue, on a des bonnes chances d'en prendre. Fish on! Fish on! Viens dedans! Tiens, tiens, mon homme! Garde la canot! Mon Dieu, c'est bien dur! Lève, comme ça, il est pesant, c'est un gros. Reel, reel, reel. Et lâche. On a un au bout de la ligne, enfin! Il est pas content, là. Reel, 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 reel. Il est lourd. C'est super. Et on n'est pas pressé, le but, c'est de prendre son temps. Peux-tu voir? Je peux juste voir une seconde. Ah, ça se peut qu'il ait débarqué. Il... Ça se peut qu'il ait décroché pendant que tu moulinais. Qui est accroché sur une roche. Okay, on va aller, je vais aller de l'autre bord essayer de débarquer là, pour voir. Lui, il a décidé de partir, puis ça continue à faire ça, puis ça fait tonk! Ça a lâché, puis ça accrochait le fond. Malheureusement, on n'a pas réussi à rentrer ce saumon-là. On a eu quand même un beau petit bout de combat. Je pense qu'Antoine a eu une belle adrénaline. C'est quand même la première fois qu'il pêche un poisson avec une moucheuse. Il est habitué d'avoir plus des cannes qui dérillent tout seul, tandis que quand on pêche au saumon, il faut toujours faire attention. On ne peut pas riler pendant que le saumon essaye de partir avec la ligne. C'est la compréhension de ça. Je pense que c'est de l'habitude, un apprentissage. Fait qu'on continue. Antoine, il va l'avoir son saumon, je vous le promets. Pousse par en avant, puis là, tu lâches ta ligne, elle va dériler. C'est vraiment le principe. Là, ta canne, c'est comme un ressort. Oh, wow! T'as-tu vu? Et voilà. Fish, fish, fish! Oh, yeah!
Pas trop bas. Ah ouais, mon homme! Ouais! Wow! Ah, c'est beau! Fish! Yeah! Lève. Pas trop bas, Antoine. Va chercher à descendre. Pas gêné de... Y'a-tu quelqu'un qui veut aller chercher mon net? Ouais! C'est la fin de la journée, on a la chance d'avoir un deuxième poisson sur la ligne. C'est parti! On garde le canot dans ça, là. Ah ouais, mon homme! Ouais! Oh! Wow! C'est tout qu'un monstre, ça a l'air d'un méchant beau saumon. On a hâte de voir, c'est énervant. Il y a beaucoup de roches autour. Mais Antoine, il fait ça exceptionnellement bien. J'ai tellement hâte. Faut sortir ce poisson-là. Faut qu'il aille son saumon. Je suis vraiment excité. On l'a vu sauter 2-3 fois. C'est quelque chose de gros. On peut voir qu'Antoine, là, travaille comme un maître. Yes! Yes! On lance ton lait. Sérieusement, là, on peut voir Jason en ce moment qui travaille avec Antoine. C'est exceptionnel de voir ça. Les gars sont dévoués, ils connaissent leur affaire. Ils sont super attentionnés. Ils donnent les bons conseils. Wow! Il y a une grosse roche dans le milieu. Faut pas que le poisson se décroche. Le problème, c'est quand le saumon s'entoure autour ou qu'il va se prendre à quelque part dans le fond, la ligne est coincée, il donne un coup de tête, il appelle. C'est très stressant en ce moment. C'est vraiment, vraiment stressant. J'espère qu'il n'est pas pris là. C'est stressant. Oui, vraiment, je suis stressée. Là. Je veux pas perdre ce poisson-là. Mais faut pas être stressé. Okay. Non, merde, ça vient de se défaire. Oh. Hey, t'as fait ça comme un champion, moi, là. Il avait contourné la roche. Il a fait un tour? Ouais. Il n'y avait rien à faire. Ce qu'on redoutait, c'est passé. Le saumon était probablement entouré autour de la roche. Qu'est-ce qu'il a fait, c'est qu'il a passé d'un côté droit. Il a senti de la tension sur la ligne. Il n'était pas capable de combattre. Il a reviré de l'autre bord, c'est entouré autour. On a essayé de faire l'inverse, de le déprendre. Il n'y avait rien à faire. Le dernier était vraiment le fun à pêcher, mais on ne l'a pas eu. Ça fait partie de la game. Il était patient. Il apprend vite. C'est ça que j'apprécie avec lui. Gros merci, merci beaucoup. Plaisir. On a passé une super de belle journée. Je pense que mon garçon, il a eu deux combats incroyables. Il va s'en rappeler longtemps. Tu lances bien en tabarouette, là. Go! On continue, c'est pas fini. Il nous reste encore deux belles journées. On a gagné en expérience. On va avoir encore plus de chances d'avoir de succès pour les prochaines journées. Et là, aujourd'hui, on y va. C'est le début de la deuxième journée sur la rivière Cascapédia. On est présentement dans la fosse 103, qui est une bonne fosse, qui est celle où il y a le plus d'eau en ce moment. Parce que comme on expliquait, c'est plus difficile un petit peu de pêcher, donc on cherche les endroits plus profonds. On a changé par contre de tactique, on a décidé de rester un petit peu plus ensemble, d'avoir Sylvain qui est avec nous autres, nous aider, nous donner un coup de main. On a aussi Jean-François et Daniel qui sont là. Qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on essaye ici, on va taquiner un peu, puis après ça, on s'en va à la fosse 88, qui est supposée être assez profonde. Toutes les rivières à saumon au Québec cette année, c'est extrêmement difficile à cause de l'été qu'on a eu. On a eu un été avec extrêmement beaucoup de chaleur, alors toutes les eaux sont extrêmement basses. Même ici, sur la Grande Cascapédia, ils ont eu beaucoup de cancellations. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Il faut approcher les fosses doucement. Il ne faut pas leur faire peur parce qu'ils se tiennent en petit bain, là, dans les fosses les plus profondes. Puis aussitôt que tu leur fais peur, bien, ils sautent, bien, ils partent, puis ils reviennent. Alors, tout ce qu'on peut faire, c'est d'être patient, faire des belles présentations, puis essayer de voir si on peut en faire mordant. C'est tout, là. C'est la pêche au saumon, c'est ça, tu sais jamais. À chaque lancer, tu espères avoir une touche parce que tu penses tout le temps que le prochain lancer, ça va être le bon, et ainsi de suite. Puis ça qui fait que les gens, c'est des mordus, c'est des fanatiques parce que quand ça mord, c'est un plaisir extraordinaire. Alors, c'est pour ça que même dans des conditions extrêmement difficiles, les gens ne perdent pas. Ils perdent pas espoir, t'sais, ils sont quand même patients, ils veulent avoir la chance d'en prendre un. J'essaie doucement de leur présenter une petite mousse sèche, étant donné que les eaux sont basses. Moi, j'adore ça. C'est vraiment une super de belle rivière. Regardez justement la troupe qui est là, une gang de passionnés, c'est vraiment... Ouais.
Puis on est en mode solution, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de courant, mais c'est ça, bon, on essaie des twists. C'est un beau défi aujourd'hui, vraiment. Hier matin, j'ai eu la chance d'aller pêcher avec Daniel Giguère et puis Sylvain Gagnon, des gars d'expérience au niveau de la pêche à la mouche. Fait que tout l'avant-midi, je me suis concentré à faire de la caméra avec eux, puis de les observer de quelle façon ils mouchaient, de quelle façon ils faisaient leur lancer, puis aussi comment ils apprivoisaient la rivière. On vient tout juste d'arriver à Fosse 88 où on s'est dit d'aller, puis on cherche, mais on voit pas beaucoup de poissons. Pourtant, c'est une belle place, il y a quand même de l'eau, beaucoup d'espace. Malheureusement, pas de poissons pour nous ici sur la Fosse 88. On va changer d'endroit, on va aller explorer d'autres fosses. On avait quand même plusieurs autres à notre disposition. Bonjour, aujourd'hui on va vous cuisiner un saumon entier. Ce que je vais vous démontrer avec ça, c'est que t'arrives de la pêche, t'es fatigué, une gang de chums, on va cuisiner ça tout simplement en croûte de sel. Pour la croûte de sel, c'est pas compliqué. Un gros saumon comme ça, on va se prendre environ 4 kg de gros sel. On va mettre un peu de farine dedans. On va bien mélanger ça. Ensuite, question de se malter. On va mettre la surprenante. La surprenante, ses arômes, c'est le citron. Avec le saumon, ça va être délicieux. On mouille ça avec un peu de surprenante. Une petite astuce que votre croûte de sel tienne bien. 2-3 blancs d'œufs. Ensuite, le fun, c'est de se salir les mains. Maintenant qu'on a notre croûte de sel, c'est la grosse simplicité. On y va, on a de la coriandre. C'est les herbes qu'on a, dans le fond, on garde. Aujourd'hui, on avait de la coriandre, on a du cerfeuil, on a du persil. On met les herbes dans le saumon avec le citron. That's it. Prochaine étape, on se met un beau fond de sel dans notre plat. Vous voyez, c'est tout simple. On le recouvre complètement de sel. On va l'envoyer au four, je vous dirais, au moins à 400 degrés pour un 30 à 45 minutes. Pour un saumon là, d'environ 4 kg, là, vous voyez, ça a bien durci. Ce qu'on va faire, c'est regarder, on va couper un petit peu notre, la casser notre croûte. Regardez-moi ça. Regardez, la belle chair. Ça se défait tout seul, c'est fondant. C'est savoureux. On passe notre couteau, notre cuillère dedans, ça s'est fait tout seul. C'est rare que du saumon peut vraiment être aussi moelleux, fondant. C'est du bonbon. Amusez-vous avec ça. Cette recette vous a été fièrement présentée par La Voix Maltée. C'est parti pour la dernière journée ici sur la rivière Cascapédia. Aujourd'hui, on va dans un secteur un petit peu plus éloigné. On va y aller en côte à côte. C'est sûr qu'il fait un petit peu plus froid, c'est venteux. Ça a vraiment brassé beaucoup cette nuit. Par contre, ce qu'on aime, c'est qu'il a tombé beaucoup d'eau. Ça va en fait monter le débit de la rivière. Ça va peut-être rendre le saumon un petit peu plus actif. Aujourd'hui, on est avec Steve. C'est notre dernière journée sur la Grande Cascapédia. C'est la dernière chance pour Antoine aujourd'hui de sortir son saumon. On va mettre tous les efforts. C'est parti. Quand on disait que ça avait brassé beaucoup cette nuit, c'est de ça qu'on parlait. Il y avait beaucoup d'arbres sur la route en s'en venant. Étant donné que le niveau d'eau a monté, il devrait y avoir du poisson aussi. D'ailleurs, on a vu un petit qui a sauté dans les airs. Fait qu'on va toujours à la quête de notre saumon pour aujourd'hui. Le saumon pour Antoine. Moi, je dis qu'il va en attraper un tout de suite. Quoi. Yes! Oh! Oh, je l'avais dit que la première drop, ça allait faire. Il l'a pris tout seul. Hey, oublie pas, tu le laisses partir. Laisse-le partir. Lâche le reel quand tu s'en vas. Exact. Laisse-le partir s'il veut partir. Ah, mon loup? Oui. C'est pas la grosseur du saumon d'hier, mais là, il l'a pris tout seul. C'est vraiment lui qui a lancé tout seul. Il a pris son poisson, il l'a sorti, il l'a bien travaillé. Premier saumon pour Antoine. Yes! Je suis vraiment content. En arrière, ouais, pour pas l'échapper. Yes! Donc, premier saumon. On va y remettre la tête à l'eau. Hey, je suis vraiment heureux de ça. Je viens de prendre mon premier saumon. C'est moi qui l'ai piqué tout seul. C'est incroyable. Maintenant qu'Antoine a pris son premier saumon, Jean-François s'est mis au travail aussi. Il veut en attraper un. Il n'en a jamais pris non plus. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que la Cascapédia, c'est une des 10 meilleures
rivière à saumon au monde en termes de grosseur. La moyenne des saumons ici, c'est 19 livres. Fait qu'on veut vraiment trouver un trophée comme on avait au bout de la ligne avant-hier, comme Antoine a eu, comme il s'est battu. On vient juste d'attraper un autre poisson. On était pour partir, puis on s'est dit qu'on allait retirer quelques coups ici avant de s'en aller. Puis Sylvain, tu as attrapé un beau poisson. Faut pas qu'on le laisse trop descendre. Il est assez gros. Le guide veut pas trop que je fasse le fou avec. C'est un beau poisson, ça. Oh yes! Il l'a ramassé, puis solide. Wow! On était pour partir. On a décidé de retirer quelques coups sur la fauche. Je me suis essayé en premier. J'ai pas eu de prise. Sylvain est passé derrière moi. Il vient d'attraper un beau poisson, un beau saumon. On l'avait vu sauter. On a le bon gars là, qui s'occupe de la ligne présentement. On peut pas avoir meilleur dans notre gang, c'est certain. Sylvain, c'est un gars qui est extrêmement expérimenté. On a tout qu'un monstre dans le net, là! Wow! Wouhou! Yes! Oh! C'est ça, c'est plus fun! Oui! Yeah! Belle canne, belle bière de votre commanditaire. Cheers! On l'a mérité, ça. On a travaillé fort. Qu'est-ce qu'on peut dire après trois jours comme ça sur la Grande Cascapédia? On a commencé ça avec une journée avec Jason où on a eu deux très grosses prises. La première s'est déprise quand même rapidement. La deuxième, c'était un combat exceptionnel de peut-être 10 minutes. C'était totalement incroyable. J'aurais tellement voulu qu'il sorte ce poisson-là. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. La deuxième journée, écoute, on a fait de la route, ça n'avait pas de sens. Peut-être même fait 200 km à virailler partout, à regarder dans les fosses. Puis... À matin, notre guide Steven, il dit, la rivière a monté, il dit, je suis sûr qu'il y a du poisson ici. On est arrivé là-bas, Antoine a sorti sa ligne, il a fait quatre lancers, tout de suite un grill qui a attrapé lui-même directement sur sa canne. Je pense qu'il a acquis extrêmement d'expérience durant cette fin de semaine-là. Beaucoup de personnes lui ont donné des trucs qui s'en rappellent. Après ça, on était pour partir. Sylvain a dit, je suis certain qu'il y a du saumon aussi, on va lancer quelques mouches. J'ai passé le premier, j'ai rien eu. Sylvain a passé derrière moi. Directement, il a ferré un très gros saumon. Le combat, ben écoute, c'est un gros mâle. Hein? Ça reste dans le fond, ça donne des gros coups de tête et puis ça tire la ligne un peu. Ça va pas loin, ça boque beaucoup. Le poisson était super beau. Tu regardes les couleurs qu'il y avait. Là, il était brun avec jaune puis rouge, les beaux points là, avec le gros crochet. Là. Les gars de Roadfish sont super plaisants, super le fun. Écoute, c'est des gens qui trippent au bout. Là. Écoute, on a eu le petit Antoine, le garçon Daniel, là, qui a pris son premier saumon. J'ai adoré ça puis j'espère qu'à un moment donné, ils vont me réinviter parce que c'est certain que je vais revenir avec eux autres. Ça, c'est sûr. Reste là, je voulais... Bonjour! Il est vraiment haut! Et hop d'être loin de lui! Faut pas l'entendre, gars. Un saumon qui était vraiment, vraiment très go. T'as dit go. Go.